sait que c'est très dur effectivement d'aller gagner là-bas. Je pense qu'on en a les armes en tous les cas. On sait souvent qu'il faut, pour aller gagner là-bas, il faut rester serein pendant 1 heure parce qu'il y a une espèce d'excitation ambiante qui nous fait des fois perdre le fil du match et à nous de rester serein sur la longueur du match. Je pense qu'on s'est tiré une balle dans le pied avec deux trois contre-perfs en début de saison. Et là, mine de rien, on n'a plus beaucoup le droit à l'erreur. On voit aussi que nos concurrents directs font des faux pas. Donc à nous aussi de nous servir de ces faux bonds pour nous relancer et finir dans les quatre premiers, comme on s'est dit dès le début de la saison. Ouais. Retour de Noah Tremé, qui était blessé à la cheville sur le dernier match. Et contre Cesson, blessure de Alex Trita à l'épaule. Donc on attend les examens pour savoir l'étendue de sa blessure, mais pour l'instant, ça va l'éloigner un peu des terrains en tous les cas. C'est des tendances. Il y a des tendances où ça va bien, des fois ça va moins bien. Autant voilà, Kédo est en forme en ce moment. Personnellement, je patauge un peu, mais voilà, j'ai la tête dans le guidon pour revenir et en espérant que ça fasse la même perf qu'à l'aller. Ouais.